Selon les experts, 85 à 90% du patrimoine africain serait hors du continent. Ces œuvres du 15e et 20e siècle ont été utilisées pour des raisons religieuses, symboliques ou esthétiques. Dans le long et houleux débat de la restitution des artefacts des nombreuses aires culturelles du continent, se pose la question muséale comme lieu de partage, ses limites, le regard colonial. En ces débuts d'année 2022, c'est sur le musée du Cameroun que l'on se tourne. La particularité de sa dernière exposition sur la route des chefferies du Cameroun, du visible à l'invisible, a fait le choix inverse de faire venir des artefacts et trésors actuellement utilisés dans le royaume et cité-état de Grassfield, dans le nord-ouest du Cameroun, qui est l'une des quatre aires culturelles du pays. Vous écoutez Le Maquis, un podcast de la MECAS, amical des étudiants africains, caribéens et sympathisants, affiliés à l'université Paris-1-Panthéon-Sorbonne. Je suis Ruth, membre de la MECAS. Dans cet épisode, nous aborderons la question muséale, l'éthique, ses avantages et limites, mais aussi des solutions pour changer les regards, non, des musées et leur rapport avec les arts africains. Donc je vais vous laisser vous présenter chacun un tour de rôle, rapidement. Moi, je m'appelle Mboumele Willis. Je suis un étudiant en deuxième année de licence d'histoire à Paris 1, Sorbonne. J'ai des cours spécialisés sur l'histoire de l'Afrique, l'Afrique subsaharienne. Et j'ai choisi ça parce que tout simplement, je suis un Africain qui a vécu en Afrique et qui est arrivé en France et qui s'est beaucoup intéressé à son histoire. Et que ce soit par rapport à mon pays, le Cameroun, ou aussi l'Afrique en général, ou même la diaspora, les afro-descendants. Okay. Merci. Et Mathilde ? Donc, je suis Mathilde, je suis une membre de la MECAS. Je finis ma licence en sociologie, mais après, pour mon master, je veux étudier, enfin, faire des études muséales. Et voilà, donc, je suis venue dans ce podcast parce que ça m'intéresse la manière dont les gens vont faire l'expérience du musée et ce qu'on peut apprendre là-bas. Okay. Moi aussi, je suis membre de la MECAS. Je suis étudiant en école d'ingénieur. Je suis en dernière année en école d'ingénieur en spécialité travaux publics, infrastructures et travaux souterrains. Ça n'a rien à voir avec les membres de la MECAS. Aussi, je fais un peu d'économie. Je suis là pour un peu parler de la thématique énoncée par Ruth, pour un peu discuter avec les gens de la MECAS et notre invité. Et donc, moi, je suis Ruth, également membre de la MECAS et étudiante en Master 2 développement. Alors, donc, comme vous l'aurez compris, notre thématique du jour, c'est sur l'expo qui est actuellement au Quai Branly, donc qui a commencé le 5 avril et qui court jusqu'au 17 juillet. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir. Et donc, pour resituer un peu rapidement, l'expo actuelle porte sur 300 œuvres camerounaises, dont 260 trésors conservés par plusieurs chefs et lignages familiaux, et des créations d'artistes contemporains influencés par ces œuvres-là et par d'autres œuvres anciennes camerounaises. Et du coup, la première question pour vous, selon vous, quelle est la cible des musées comme Quai Branly ou tous les musées parisiens ? Ou d'autres que vous aurez peut-être fait ailleurs. Pour vous, quelles sont la première cible ? Moi, je vais commencer. Pour moi, personnellement, j'ai été à l'expo et j'ai observé un peu la démographie de l'expo. Quand moi, je suis allé, c'était en tant que Camerounais qui, en réalité, n'a pas souvent vu le patrimoine bamileke, parce que ce n'est pas juste des œuvres, c'est vraiment le patrimoine de tout un peuple. Moi, j'ai vécu au Cameroun. J'ai pas eu l'occasion d'aller dans des musées. Il y a un musée national qui a certaines œuvres, qui présente la diversité du peuple camerounais. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'œuvres. Mais en tout cas, moi, quand je suis allé, c'était en tant que Camerounais qui découvrait le patrimoine bamileke. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de Camerounais ou d'Africains. Et même des Camerounais qui ont vécu au Cameroun, ou encore plus la diaspora qui va peu au Cameroun. Mais moi, en tout cas, j'ai observé beaucoup de Blancs, beaucoup d'Européens, beaucoup de Français, et souvent des personnes âgées qui allaient. Et je pense que ça peut parler à tout le monde, hein, parce que tout le monde peut découvrir un peu plus. Et c'était quand même assez détaillé, même s'il y a certaines choses qui n'ont pas été abordées. Ils auraient pu développer certains aspects historiques,
Mais quand même, pour une découverte, moi je trouve personnellement que c'est pas mal. D'accord. Et vous? Bah, moi, pour répondre à ta question initiale, je pense que le Quai Branly, enfin, c'est pas un musée pour les personnes qui sont issues des cultures qui sont exposées dans le musée. Enfin, et la dernière fois, enfin, la dernière fois, tout à l'heure, je lisais un article, en fait, qui disait que... Enfin, qui faisait une réflexion pertinente, en fait, sur le fait que, par exemple, c'est l'accès au musée, il est gratuit pour toutes les personnes de moins de 26 ans, mais seulement si elles sont européennes. Donc déjà, en fait, quand on expose... Enfin, quand on connaît l'histoire, en fait, de tous les objets qui sont exposés dans ce musée, et que c'est vrai que je crois que le Quai Branly, ils essaient de faire un effort pour... Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a des conférences où ils posent des questions intéressantes par rapport à d'autres musées, quoi. Mais ça, ce serait déjà... Enfin, je trouve que ce serait assez significatif, en fait, de dire... Enfin, toutes les personnes qui sont issues de ces communautés, enfin, qu'on a... Où on expose leur objet. Enfin, en fait, toutes ces personnes... peuvent avoir l'accès gratuit au musée, quoi. Et là, c'est pas le cas. Donc pour moi, en fait, ça veut dire que le public, il est, enfin, français, européen, blanc. Donc, voilà. Bah, seulement moi j'ai payé. Hein. Mais Non, t'as... mais j'ai payé, mais je suis allé avec deux personnes. Une, elle était martiniquaise, je crois. À la base, je suis allé avec quelqu'un que je suis sur Twitter. Il est camerounais, il est même bamiléké. On s'est retrouvé plus tard, il était déjà dans le musée. Et quand je suis arrivé, j'étais en mode désolé, j'étais un peu en retard. Et j'ai dû payer mon ticket. Il m'a dit, mais c'était gratuit, j'étais en mode. Mon argent. Parce que ça coûte Comment cher. ça s'est payé en... J'ai payé 12 euros. Ouais. Tu as payé aux automates ou au guichet? Au guichet. Mais t'as plus de 26 ans ou moins de 26 Non, ans? j'ai 20 ans. Ah, bah. Quoi? J'ai Non, 20 tu t'es ans. fait avoir, Oui, ouais. je me suis clairement fait avoir. Et en plus, je fais pas. Il m'a dit 26 ans, mais je fais pas plus de 26 ans. Et en plus, la dame, elle m'a même pas dit, vous êtes étudiant en quoi? Elle m'a directement dit 12 euros. J'ai payé et. Ouais. Effectivement, ça c'est quelque chose qui est très. C'est dérangeant quand même. Parce que moi j'ai déjà parlé avec des gens, parce que j'ai un peu fait la propagande entre guillemets de cette expo, vu que c'est un peu les sujets que j'aborde sur Twitter, pour inviter les gens à y aller, parce que c'est quand même le patrimoine de notre pays, ou tout simplement le patrimoine du Cameroun. Beaucoup de gens ils étaient en mode, mais c'est payant, on va pas payer pour voir des trucs qui sont volés, mais ils n'avaient pas compris que Non, pas c'est tellement. pas c'est pas des c'est pas issu d'un vol, mais effectivement le prix, moi j'ai payé quoi. Bah, moi personnellement, j'ai pas vu l'exposition. J'étais censé aller, mais finalement, je suis en contre-temps. Mais du coup, bah, moi je pense qu'en général, déjà, le fait que l'accès en fait à l'art, bah, les espaces en fait à travers lesquels on a accès à la culture ou à l'art africain en général, il y a très peu qui sont constitués par des afro-descendants et pour des afro-descendants. Ce qui fait que, bah, automatiquement, quand ils font des événements, c'est ciblé pour les personnes blanches de facto. Et, bah, et en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, le truc, c'est notre culture qu'on vend à d'autres personnes. Mais même juste à regarder, en fait, les artistes, bah, typiquement les maisons d'exposition qui exposent en fait les artistes peintres. En France, il n'y en a pas, à Paris, il n'y en a pas énormément qui sont focalisés sur les artistes africains. Et enfin, pour les très peu qui en a, en fait, bah, ceux qui achètent en général, c'est des personnes blanches, quoi. Je connais très peu d'artistes peintres qui, lorsqu'ils viennent en fait en France, bah, c'est des artisans qui achètent leurs tableaux, tu vois. Et ça reconditionne un peu la façon dont eux, dans un premier temps, ils font leur travail. Et de deux, bah, je pense qu'il n'y a pas vraiment une communauté qui soutient. Ils se disent pas, bon, vas-y, je vais faire ça. Ils se disent, moi, je suis africain, je vais faire un truc par rapport en fait à ma culture. Mais dans la finition, ils pensent pas que ce sera des Africains qui vont acheter, quoi. Et je pense que beaucoup, pour revenir en fait au musée du Quai Branly,
C'est le musée Cambrai, c'est bien le Oui, nom? c'est bien ça. Jacques Chirac, ouais, Jacques C'est bon. Chirac. Mais déjà, le titre de ce musée, bon, c'est romantique, mais bah, dans le sens où bah, ce musée, il expose essentiellement des œuvres africaines. Et bah, ça porte le nom de Jacques Chirac. Tu vois, genre, appeler ça le musée de l'Africain, africain, ça allait plus rapidement, tu vois, parce qu'on sait très bien que les œuvres qui sont détenues là-bas, ça porte polémique, c'est un sujet polémique. Et, bah, en parlant de ça, il y a Mwazulu qui a écopé de 4 ans de prison, je sais pas trop. Je pense que le mec qui est allé au Cameroun, qui a récupéré une œuvre et qui a voulu faire un acte militant. Mais bah, la justice, elle a pesé de tout son poids pour le punir de cette action. Bah, ça pose un peu le contexte et ce à quoi en fait sont prêts ce genre d'institution pour garder nos œuvres, quoi. Okay. Très intéressant. Et après, bah, un peu comme toi, j'ai pas encore eu l'opportunité d'aller assister à l'expo parce que le premier jour, il y avait trop de monde, mais beaucoup trop, et que j'ai tout fait, donc je suis juste partie. Et pour répondre de manière assez succincte à la question, quelle est la cible de ce musée-là? J'essaie de voir son côté, bah, un peu la géographie, déjà, rien que de l'institution, outre le nom qu'il porte, le quartier dans lequel il est localisé. Les types de population, les types d'habitants de quartier, le type de public qui y vont. Ok, le jour de l'ouverture de l'exposition, il y avait beaucoup de personnes bah, noires, des personnes qui me ressemblent, mais il y avait aussi beaucoup de personnes blanches en fait. Et du coup, je me dis, bah, la cible dans ce genre de quartier, genre d'exposition, ça reste quand même un public bah, qui va souvent bah, dans des galeries, dans ces expos-là, qui sont des curateurs capables d'acheter en fait ces œuvres-là. Pour nous, c'est. Pour les enfants afrodescendants, c'est une manière d'avoir accès à ces œuvres-là, à ces artistes-là. Les découvrir, mais pour des personnes, bah, on va dire européennes et franco-françaises, bah, pour eux c'est un peu le voyage en fait en même temps. Après, ce n'est que mon avis, j'ai pas encore été voir l'expo, mais je pense que peut-être que mon avis changera après l'avoir vu. Et du coup, ma prochaine question, il y a un point que j'ai souligné, c'est que ces œuvres-là qui sont exposées, ils viennent du continent, ils ont été déplacés du Cameroun vers le musée, alors que la plupart du temps quand on va dans d'autres musées, c'est souvent des œuvres qui sont ici, l'époque coloniale et compagnie. Quel est votre avis et notamment analyse par rapport au fait que vraiment c'est des œuvres qu'on a été demandé à des chefs directement, les collectivités et compagnie, de les ramener en France? Vous en pensez quoi, enfin, ce prisme, ce changement de prisme en fait? Déjà, moi je pense que c'est un peu lié à la démographie qui part au musée. Déjà, c'est pour donner de la visibilité en fait à ces œuvres qui sont dans les chefferies en fait. Dans l'ouest du Cameroun, il y a une sorte d'organisation politique qui est précoloniale qui fait qu'il y a une centaine de micro-états, chefferies en gros. C'est hiérarchisé, il y a à la tête, il y a un roi, un chef, et c'est toute la diversité en fait rien que de l'ouest du Cameroun. Il y a même aussi dans un département, un royaume, des Bamoun. Et en fait, chaque chefferie a sa culture, a ses œuvres. Et en général, c'est pas un comportement que les Camerounais adoptent, j'ai l'impression, d'aller dans les musées. Moi, par exemple, j'ai un cousin, un grand cousin. Il est venu en France dernièrement. Il m'a dit, on a parlé de l'histoire de l'art et il était en mode, ça sert à rien d'aller dans les musées. Ça sert à rien d'aller dans les musées. Et je pense que beaucoup de Camerounais se disent ça, beaucoup de Noirs se disent ça. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils se disent, c'est de mon pays, je connais sûrement déjà, je vais pas y aller. Et c'est dommage. Et c'est pour ça aussi que ça fait que beaucoup de Camerounais vont pas dans les chefferies pour visiter, pour du moins observer la culture, les œuvres, le patrimoine bamiléké. Et je pense que ces chefferies se sont dit, bah, pas parce que les œuvres meurent ou quoi, mais c'est notre patrimoine, on va donner de la visibilité à notre histoire. Et en plus, quand même, je trouve que l'expo, elle est très belle. C'est vraiment moderne, c'est bien montré. Je suis pas en train de faire la propagande ou quoi, hein, mais en tout cas, moi, c'est un truc que je souhaite, en tout cas, que ça arrive au Cameroun, à Yaoundé, à Douala ou peu importe, mais vraiment un musée moderne. Avec, je sais pas moi, des zones où on peut vendre des livres, parce qu'il y a à l'entrée, il y a des livres d'un artiste chercheur camerounais.
Et moi, je pense sincèrement que s'il y a un musée, c'est bien moderne, il y a là des œuvres, beaucoup d'œuvres. Je sais pas moi, à côté, il y a certaines infrastructures comme des petits restos, un petit parc pour les jeunes, les enfants. Je pense que quand même, ça va. Des gens vont y aller. Je pense que peut-être ils se disent c'est vieux, c'est ancien. Peut-être pour certains, ils peuvent trouver ça moche ou banal ou. Ils s'intéressent tout simplement pas à la culture, ils vont pas y aller, mais si quelque chose est vraiment, on le ravive un peu, bah ça donnera envie en fait. Très intéressant. Et vous en pensez quoi du coup? Enfin, du coup, quand tu parlais, ça me faisait penser à des musées, mais je sais qu'il y en a à Lagos et en Afrique du Sud, je sais plus où. Mais ouais, enfin, c'est des musées d'art contemporain aussi. Et du coup, enfin, il y a ces enjeux-là. Enfin, j'avais vu des trucs aussi de comment attirer les gens et tout, mais. Enfin, en fait, moi, ça me faisait me poser la question, du coup, est-ce que ces objets, ils devraient être mis dans des musées, en fait? Enfin, est-ce que, en fait, donc ces objets qui viennent de ces pays, enfin, de ces ethnies, etc., en gros, on les a pillés et ils sont dans des musées européens, américains. Et est-ce que, en fait, enfin, si on arrive en fait à les faire retourner en Afrique, est-ce que on doit quand même les mettre dans des musées ou est-ce qu'on peut pas les utiliser autrement et peut-être qu'ils reviennent à leurs utilisations originelles? L'exposition de base du Quai Branly. Non, enfin là enfin c'était des questions que je me posais par rapport à ce que tu disais en fait. Parce que pour l'exposition de sur la route des chefferies, c'est les chefferies qui ont donné, mais l'exposition de base du Quai Branly en majorité, ouais, c'est des œuvres pillées, volées, Oui. qui ont vraiment un contexte colonial. Ouais. Enfin, non, mais c'était juste. Enfin, là, je Pour vous parlais dire. pas de l'exposition, mais je parlais. Enfin, c'était une question que je te posais par rapport à ce que tu disais, en En fait. général, que ça rentre. Moi, je pense que oui, ça peut. Soit, moi j'en ai déjà parlé, soit ça rentre dans les pays, soit les pays qui sont pas aptes à les accueillir, même si, bon, moi je suis pas d'accord, mais bon, on va dire, il y a sûrement des pays qui, on va se dire que oui, ils pourront pas les préserver. Donc, il y a des grands musées qui se construisent, hein, comme au Sénégal, il y a le musée. De la civilisation noire, je crois que c'est ça le nom, à Dakar. Soit ils peuvent le donner, mais vraiment à d'autres musées, mais d'Afrique. Soit ils construisent des musées dans les pays. Hein. Je pense que si vraiment ils investissent, ils peuvent. Mais ouais, il faut. Moi, je suis pour le retour, hein, personnellement. Vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de l'AMECAF. Je suis Sirandou Soukouna, présidente de l'association. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et du coup, je rappelle notre question, c'est savoir que les œuvres qui sont actuellement exposées au Quai Branly sont des œuvres qui viennent du continent. Du coup, toi, Diaby, tu en penses quoi? Bah, je pense que ça fait partie d'une stratégie globale de l'État français qui essaie d'un peu changer son image. Bah, là, en fait, j'aborde la question sur un plan géopolitique parce que c'est un peu le constat qu'on observe, qu'on fait en fait suite à aux différentes politiques menées par le gouvernement Macron qui veut, entre guillemets, créer une nouvelle relation entre les pays africains et la France. Du coup, bah, ça passe par essayer de parler de cette thématique du vol des œuvres durant la colonisation, en essayant
d'un peu chouchouter la communauté africaine, même si paradoxalement on me dit qu'il n'y a pas de communauté, non, ça n'existe pas, on est tous enfants de la République, tout ça, vous connaissez. Mais en fait, c'est un peu, voilà, c'est un peu parti d'une politique globale qui vise un peu à rendre l'image, en fait, de l'État français plus acceptable auprès des populations africaines, justement, en fait, en essayant d'utiliser d'autres schémas, parce qu'avant, bah, ils excusaient juste purement et simplement les origines voilées, et ça faisait à chaque fois des polémiques. Et là, en fait, bah, je pense qu'ils tendent vers un autre modèle qui vise du coup à récupérer des objets qui existent déjà dans les communautés pour les exposer en disant que voilà, nous en fait, bah, voilà, on essaie de récupérer, de mettre en valeur en fait le patrimoine des peuples africains. Mais bon, encore l'action qui s'oppose, c'est celle du fait que bah, on est obligé de passer par les autres pour pouvoir valoriser notre propre culture. C'est un peu problématique, dans le sens où bah, on évoque en fait encore le fait que bah, nos États ne remplissent pas leur mission à tel point qu'il faut que ce soit un État étranger qui récupère nos œuvres pour pouvoir les mettre en valeur. C'est une question qui se pose aussi. Et par rapport en fait, à la thématique des restitutions, je pense que moi j'ai écouté pas mal de podcasts, mais je ne suis pas un expert dessus, mais je pense que pour ceux qui veulent approfondir, je crois qu'il y a un podcast d'Afrotopie avec Fred Winsar qui approfondit le sujet. Bon, pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que pour moi, c'est parti d'une envie de la France de passer à un autre étape en fait sur sa diplomatie envers les pays africains et les peuples africains de façon générale. Juste pour rebondir sur un truc que tu dis, c'est que moi je trouve que c'est assez hypocrite. Moi, le régime de Macron, il est assez hypocrite. Parce que du coup, là, c'est un peu pour redorer leur image et tout. Mais en réalité, au début de son mandat, il a dit oui, il y aura vraiment un retour conséquent des œuvres. Je crois qu'ils ont rendu, si c'est 26 ou une trentaine d'œuvres au Bénin, une dizaine ou moins au Sénégal, mais vraiment. Moi, je pense moins de 100 œuvres. Il y a eu tout un projet de loi en réalité, il n'y a pas eu de retour. Et rien qu'au Cameroun, je n'ai pas entendu parler de retour d'œuvres. Pourtant, dans toutes les œuvres volées, qui sont dans un contexte de pillage, de vol, de récupération après des massacres, tout ça, le Cameroun, c'est le deuxième pays qui a le plus d'œuvres en France. C'est quelque chose comme 7 000 ou 8 000. Et le premier, c'est le Tchad. Ensuite, le troisième, ça doit être Madagascar. Et ensuite, il y a vraiment plein de pays un peu partout en Afrique. Et je crois que ça s'élève le tout à presque 80 000, 100 000, un truc comme ça. Mais du coup, je me dis, faire les chefferies Bamiléké, c'est un peu logique parce que vous avez quand même 9 000 œuvres qui sont dans ce pays. Ou du coup, c'est hypocrite. Bah, C'est clairement bah hypocrite. pour prolonger le raisonnement, je pense que bah, et en fait, le pire dans tout ça, c'est quand ils rendent, en fait, ils font des grandes cérémonies pour dire oui, regardez, on rend les œuvres, alors que bah, c'est la logique des choses, en fait. Quand tu voles le truc de quelqu'un, le minimum, c'est de rendre. Et en plus, quand tu rends une si petite quantité, t'as pas, en fait, à te t'auto-glorifier en te disant oui, je suis une bonne personne, j'ai rendu les œuvres, plus qu'on sait très bien que en fait, la plupart des œuvres, ce sera compliqué en fait, de les restituer parce que c'est tombé dans le domaine, en gros, c'est parti du patrimoine maintenant de la France. Du coup, quand tu veux aller vraiment dans le fond des choses, il y a plein de trucs qui bloquent parce que tu te rends compte que tout était mis en place. Il y a tout un système qui a été mis en place pour vraiment garder en fait tous ces euros-là pour l'État français. Et d'autant plus que, imaginons dans un monde où en fait ils rendent toutes les œuvres qu'ils ont volées aux différents pays, aux différents peuples en fait. Bah, en fait, le musée du Quai Branly, il ferme en fait. C'est aussi simple que Exactement. ça. Il ferme Ouais. et du coup, eux, ils gagnent de l'argent comment? Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que bah, ils gagnent de l'argent sur ça, ils vont pas s'amuser. En fait, quel intérêt ils ont en fait à changer leur confort du fait qu'il y a des recettes qui tombent en fait par rapport à ces œuvres-là,
et ils vont les perdre comme ça du jour au lendemain. C'est pas imaginable. Déjà non, en vrai, c'est même pas que le Quai Branly. Hein. Oui, oui, ouais, on parle du Quai Branly, mais il y en a plein d'autres. Même le Louvre. Le Louvre, oui, le Louvre. C'est hyper intéressant, mais enfin, si je me permets du coup de rebondir sur vos trois différentes interventions. Je suis assez partagée parce que ce que tu viens de souligner là, ça me fait penser au fait que bon, en fait, ils essaient de se réinventer. Parce que je pense que certes, les musées, je suis un peu artiste sur les côtés, essaie d'imaginer tous les collectionneurs privés qui ont plein d'œuvres, d'œuvres de masques, d'œuvres africains, qui aujourd'hui, avec cette loi qui est passée depuis le discours de Macron en 2017, qui va plus ou moins les contraindre, que ça soit volé ou qu'ils n'aient pas de preuve d'être possesseurs de l'œuvre, ils sont obligés de le rendre. Mais dans ce cas-là, comment ils vont faire pour se réinventer? Parce que si ils doivent tout rendre aux pays africains, il n'y aura plus rien. Mais en même temps, c'est peut-être avec cette expo, c'est une manière de se réinventer, c'est-à-dire qu'on va aller chercher avec leur accord ces œuvres-là pour venir les exposer ici. Ça rejoint ce que je disais avant, c'est que d'un côté, ça donne du coup aux jeunes comme nous, afro-descendants, qui n'ont pas la possibilité de faire un retour sur le continent, du coup découvrir ces œuvres-là, d'avoir accès à ces œuvres-là. De l'autre, comment ils les rendent après, tu vois? Toi, tu parlais de la cérémonie et tout. Si on prend, comme tu le soulignais tout à l'heure, depuis 2017, il y a à peine moins de 1000 œuvres, voire même moins de 100, qui étaient rendues. Il s'était donné 5 ans, je ne sais pas si vous avez écouté le discours de Macron, il s'est donné 5 ans pour les rendre, mais pour l'instant, le quota n'y est pas. Et ça me fait enclencher un autre point, à savoir qu'il n'y a pas des infrastructures. La plupart, j'ai été dans certains pays africains, il y a très peu d'infrastructures pour accueillir ces œuvres-là. Et ce matin, j'ai écouté un podcast des Échos et des RFI, qui parlait du fait que dans un, je ne sais plus c'est quel pays africain, il y avait eu un premier retour d'œuvres au début des années 2000 et le musée avait été pillé. Et aujourd'hui, je crois que c'est le musée du Dahomey, il y avait l'épée, la source du pouvoir des rois, qui avait été volée au début des années 2000, qui n'a jamais été retrouvée. Et qu'il y avait un peu cette crainte-là, en fait, ok, on veut nous rendre les œuvres, nous on les veut bien, mais on n'a pas les infrastructures pour les exposer, en fait. Et je rebondis sur le fait que ton cousin disait, nous, l'art et tout, c'est pas pour nous. Est-ce qu'au moins il y aura cette jeunesse-là, en fait, africaine, qui serait intéressée à aller dans les musées? Moi, je sais pas, dans votre cas de figure, vous en penserez quoi? D'ailleurs, quand vous voyagez dans d'autres pays, vous avez tendance à aller dans les musées, je suppose. Non, pas nécessairement, mais en fait, moi, je pense que je peux apporter une réponse à la lumière de mes discussions avec un ami qui s'appelle Lewis, qui travaille dans un musée à Lomé. Mais en fait, il nous a dit que c'est un peu compliqué cette histoire de restitution parce que du coup, tu as des sortes de systèmes parallèles de gens qui revendent à côté, qui revendent les œuvres à côté pour se faire de l'argent. Mais ça, je pense que de façon globale, la problématique, c'est que même si eux rendent, en fait, c'est pas tout ce qui passe en interne, c'est plus de leur problème parce que c'est la politique en interne, ça leur aide pas. En fait, c'est pas eux de dire oui, en fait, on vous donne pas parce que vous allez mal vous conduire. C'est un peu un comportement un peu colonialiste, en fait, de dire en fait, on va vous donner, vous n'êtes pas assez responsable pour vous autogérer. C'est un peu ce qu'on observe, en fait, par rapport, en fait, à la monnaie. Il y a plein d'autres points. Et en fait, c'est pas vraiment une excuse parce que j'ai du coup, par rapport, en fait, au podcast de Fred Winsor sur Afrotopique, il disait que typiquement, ces œuvres là, elles sont pas vouées à être exposées dans les musées. Il y a certaines œuvres, elles sont censées retenir auprès de certains peuples, même si de façon c'est une lecture ésotérique, elles sont plus chargées énergétiquement. Du coup, les gens ils peuvent ne plus les utiliser, mais au moins c'est la symbolique de rendre, en fait, ce qu'ils ont payé à ces peuples là, et c'est à eux de décider si oui ou non, s'ils les vendent ou si ils veulent faire autre chose avec ces œuvres là. Et par rapport, en fait, à la culture de l'art, le fait que les gens, en fait, ils vont pas très souvent dans les musées. Bon, il n'y a pas assez de musées, mais en fait, d'un côté, c'est pas tout le monde qui peut se permettre, parce que du coup là, c'est un peu de l'ordre, en fait, de la politique interne des pays vis-à-vis de la culture, en fait, comment ils font la promotion des cultures des peuples qui sont issus de leur pays et tout. Mais je pense que dans un premier temps, c'est l'État français doit rendre ce qu'ils ont volé. Après, ce sera aux pays d'Africains de s'autogérer, parce que ils sont indépendants dans un premier temps. Du coup, c'est tout ce qu'ils font, s'ils ont quand même un minimum d'organisation, un minimum de, il y a des ministres, il y a des ministères, ils peuvent gérer ça. Et c'est pas, en fait, aux pays français de dire aux pays africains, vous allez pas pouvoir bien gérer, du coup, on vous donne pas. Voilà. Okay. C'est ma vision. Personnellement, moi, je pense que c'est comme il a dit, franchement, que ça retourne et qu'on le vole ou quoi, c'est pas leur problème. Normalement, c'est pas censé être leur problème. Mais moi, je pense que soit
il faut avoir une sorte de vision assez panafricaine, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, peut-être on donne d'abord en premier temps dans des pays qui ont vraiment la capacité de faire des grands musées, qui ont vraiment de réelles infrastructures, comme le Sénégal, qui a créé un musée panafricain qui parle des Afro-Américains, de certains Antillais, mais aussi de Bamoun, qui a des œuvres, quelques œuvres Bamoun, camerounaises, mais aussi du Sénégal ou autres en Afrique, ou soit tout simplement comme les chefferies Bamileke, là les œuvres qui sont pour l'expo, elles ont été préservées par les chefferies. Donc faut arrêter d'infantiliser un peu les pays africains, moi on est capable de rien. Bon, il peut y avoir des incidents de vol, mais je pense pas que ça sera généralisé. Si vraiment on sent que certains pays sont pas capables, entre guillemets, on donne à des pays capables, et pour peut-être 10-15 ans, le temps que certains pays soient capables. Vous écoutiez Le Maquis, un podcast de la MECAS, amicale des étudiants africains, caribéens et sympathisants. Ceci était la première partie de notre conversation sur la question muséale, l'éthique, ses avantages et limites, mais aussi des solutions pour changer les regards ou non des musées et leur rapport avec les arts africains. Retrouvons-nous dans la seconde partie de cette conversation où nous parlerons plus précisément de musées coloniales et décoloniales, mais d'art, de politique et bien plus. Pour continuer la conversation, vous pouvez également vous abonner et échanger avec nous sur les réseaux sociaux via notre hashtag LeMaquis et nous vous y répondrons.